du monde ce matin sur la nouvelle hélisurface de Dodan. Terrain privé loué aux sociétés d'hélicoptères en remplacement du parking de Cap Noir, réservé désormais uniquement aux randonneurs. Fraîchement aménagée, l'hélisurface pose déjà des problèmes que la mairie promet de résoudre. C'est quand même compliqué parce que les regarde, là, il y a des chars sur la route, il y a le camion, il ne peut pas monter. Du coup, voilà quoi. Et s'il pleut, on ne peut pas passer. Au niveau de l'aménagement, c'est prévu éventuellement de faire une entrée en béton et de planter aussi du gazon pour éviter, lorsqu'il pleut, d'avoir trop de boue. D'habitude, les Mafatais montent leur charge depuis deux bras au fond de la rivière des Galets. Mais les cyclones ont ravagé la piste pour des mois. Pour avoir des rotations à moindre coût, les temps de vol doivent être réduits au minimum, d'où l'hélisurface de Dodan, plutôt que celle de la rivière des Galets à la Possession. On peut faire de la rivière des Galets, mais ça coûte deux fois plus cher. Ça veut dire là-bas, on va payer 340 euros, et là, on paye à 180 euros. Il y a une famille qui n'a pas des sous pour payer ça. Il faut qu'on arrive à ce tarif, à 180 euros. La réglementation limite à 200 le nombre de rotations sur une hélisurface. Pas assez pour les 850 habitants du cirque. Un giteur commerçant a besoin de 3-4 rotations par mois. Une famille, 3-4 par an. Je ne sais pas comment monsieur le préfet il voit ça, mais il faut qu'il vienne nous voir là-bas avec tous les habitants qu'on a. Ce n'est pas 200 rotations, il faut. Hein. Déjà, on n'a jamais compté combien. Mais 200 rotations, ça va aller très très vite. Là, aujourd'hui, on a eu au moins 30 rotations déjà. Une hélistation sans limitation de rotation réglerait le problème. Le projet est à l'étude. Le maire de la Possession nous a demandé de travailler sur ce projet, donc qui serait un peu plus bas, toujours au niveau de Dodan. Donc c'est une des actions qui a été déclinée dans le cadre de l'étude qui a été portée par le TCO sur les hélistations. Donc il y aurait possibilité de créer une hélistation sur Dodan, sur un site qui pourrait s'apprêter à le faire. Plus de 2000 rotations ont été réalisées l'année dernière. Le préfet avait accordé une dérogation qu'il ne semble pas vouloir renouveler pour la nouvelle hélisurface.